même sur des métiers où on a énormément de clients, on sait très bien que chaque client a une façon différente de voir son métier. Si vous allez pouvoir dire, s'il y a telle valeur de zone variable, eh ben, ma méthode de préparation, ce sera celle-là. Pour que vous compreniez, en bleu, c'est les produits fabriqués ou semi-finis, en rouge, les matières premières, et en vert, les emballages. Hein. Je rajoute un ingrédient, voilà. Et donc là, je vais filtrer. Vous voyez, je peux choisir, soit je vais chercher des produits actifs, soit les produits uniquement en conception, et là, j'ai tout ce qui est spécifique au laboratoire, ou sinon, je prends ce qui est en modèle, voilà. Et donc, je peux dire, ben, je vais prendre mon modèle de matière première, je le rajoute.